Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration Idées à réaliser soi-même. Et peut-être que vous connaissez donc ces petits tatouages que l'on peut bien sûr retirer ensuite. Voilà, ils sont tous dans les tons argentés. Et puis je vais voir pourquoi pas un tatouage dans mon calendrier, dans mon petit agenda, dans mon petit bloc-notes. Voilà, donc peut-être. Est-ce que c'est possible que ça fonctionne donc sur du plastique? On va voir. Voilà, j'ai mon bloc-notes, j'ai mes tatouages, qui ne sont pas permanents bien sûr, en argenté. Hein. Voilà. Ensuite, j'ai ici des petits strass, en fait, des petits brillants. Voilà, une paire de ciseaux. Et puis un papier, un essuie-tout humide. Voilà, donc là j'ai la dernière page de mon bloc-notes. Donc je pourrais choisir un tatouage. Voilà. Je sors le folio. Voilà, on retire le papier comme ça doucement. Voilà, donc on fait ça vraiment, on fait bien attention. Voilà. Des petits détails qu'il faut travailler, hein. Ouais, ça fait vraiment des effets super chouettes, hein. Voilà, ça fonctionne bien. En fait, voilà les petites traces comme ça. Voilà. Bon, sur un sol en carton, je sais pas si ça fonctionnerait bien, mais là, sur un sol en un support en plastique, c'est vraiment pas mal. Et voilà, là, on a fait tout le tour comme ça. Super joli. Voilà, donc là je vais me faire un petit tatouage au niveau du bras. Super chouette.
Voilà, donc ça fait super joli ici. Donc sur la peau, ça donne même un peu plus une peau bronzée. Ça fait très joli. Un petit effet argenté. Voilà. Voilà, donc je trouve que le résultat est plutôt cool. Donc si ça vous plaît, vous aussi, n'hésitez pas donc à laisser des commentaires. Voilà. Vous avez vu, on peut mettre ça sur un support en plastique, sur la peau. N'hésitez pas à dire, enfin, ça vous a... à laisser un commentaire pour me dire si ça vous a plu, ce que vous en avez pensé. Aimez la vidéo si ça vous a plu. Regardez nos autres vidéos, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis on se dit à une prochaine. Salut!